Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui parce que aujourd'hui on se retrouve pour le bilan de Molanta. J'en ai pas parlé sur YouTube, mais pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez pu voir que j'étais pour une fois très très active. Tout simplement parce que je participais à un challenge d'écriture qui a duré 14 jours et il s'est terminé hier soir, enfin dimanche soir, mais hier soir c'était le conseil. Bref, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est, comment j'ai fait pour participer, sur quoi j'ai écrit, si ça s'est bien déroulé. À la base c'était censé être un vlog, mais je crois que j'ai tourné une semaine et la deuxième j'ai fait non, j'ai pas eu la foi de cumuler les cours, l'écriture plus le potentiel tournage et j'ai dit non, ça va pas. J'ai préféré me concentrer entièrement sur le challenge pour écrire le maximum possible, mais on va en parler. Molanta, c'est donc un challenge d'écriture de 14 jours organisé par Margot de Seine. Elle a écrit Absolu, l'immobilisé, le premier tome. Le deuxième tome sort en novembre, si je dis pas de bêtises. Ensuite, on a Momo Lune. Elle a aussi publié des livres, je crois. Elle est en auto-édition. J'ai pas lu ses livres, mais voilà. Ensuite, on a About Estelle, celle qui m'a motivée à me lancer sur YouTube. Et enfin, on a Alice Posière. Alice Posière, c'était ma chef d'équipe et elle a écrit À vivre avec, publié chez les éditions Scrineo. On a été répartis en 4 équipes et le but, c'est d'écrire un maximum de mots pendant 14 jours. Il faut écrire tous les jours. L'équipe qui aura le plus écrit gagne. Et chaque jour, il y avait une épreuve qui permettait de gagner des bonus ou des autorisations d'écrire en illimité pour le lendemain. Et donc là je vais vous présenter mon bilan. Je sais pas du tout si c'était clair, je crois que j'ai été assez rapide, mais je pense que ça va. Comment j'ai fait pour participer? Déjà, il y a un formulaire et il fallait s'inscrire au formulaire le plus rapidement possible. Vraiment, j'avais mis une horloge, je savais, dans la minute j'y étais et j'ai inscrit, j'ai répondu aux questions qu'on m'avait posées. Enfin, j'ai répondu aux questions qui étaient posées et par chance j'ai été prise dans l'équipe que je voulais. Et je suis très très contente d'avoir été dans cette équipe parce que si les filles regardent cette vidéo, je les remercie grandement parce que cette équipe c'était vraiment une safe place, tout allait, enfin tout le monde s'entraidait, c'était vraiment incroyable, c'était une super expérience. Du coup moi sur quoi j'ai décidé d'écrire, c'est vrai que je parle pas trop de mes projets d'écriture parce que, enfin je n'en ai pas eu pendant un moment, j'ai terminé Tell Me Why et j'ai pas vraiment réécrit le livre, je devrais le faire. Il attend, pour l'instant il est de côté, il attend. Et depuis le mois de juin je crois, j'avais une idée de livre, mais je me suis jamais posée dessus, même si elle me tentait quand même pas mal. Et finalement, je me suis dit que Molanta pouvait me permettre déjà de rencontrer des gens et de me motiver aussi à écrire, et ça a été le cas. Au début du challenge, on avait un objectif de mots à atteindre sur l'ensemble du coup du challenge et moi, comme j'ai été considérée comme, on va dire, petite autrice, eh bien je devais écrire 14 000 mots sur l'ensemble des 14 jours, donc 1000 mots par jour. Et j'ai carrément explosé cet objectif. Je ne me pensais pas capable d'écrire autant, vraiment. Et j'avais planifié des chapitres, mais pas autant. Je ne pensais pas écrire autant, je me répète. J'ai dépassé Tell Me Why quand même. Alors Tell Me Why, il faut savoir que j'ai mis des mois pour l'écrire, d'accord? Mais quand je dis des mois, vraiment des mois. Et là je me retrouve à un roman qui dépasse Tell Me Why et qui a 60 000 mots. 60 000. J'ai dépassé la barre des 60 000 mots. Et je n'ai pas fini, il me reste encore quelques chapitres. Je suis très très contente d'avoir travaillé sur ce projet. J'ai travaillé sur Entre deux mondes, c'est du fantastique. Je sais jamais la différence entre le fantastique et le fantasy. Je crois que c'est plutôt... Je sais pas. J'ai créé mon propre monde. Donc c'est pas un monde qui existe, ok. J'ai vraiment complètement créé. Et en gros, l'histoire, c'est le monde des hommes et le monde de la forêt enchantée. Mais la forêt enchantée, en fait, elle est protégée depuis une vingtaine d'années par des ronces. Personne ne peut y entrer. L'inspiration, c'est maléfique, vous l'avez peut-être deviné. Et donc de ce côté on a la forêt, je fais ça mais vous voyez même pas ma main. Et donc de ce côté là on a la forêt, de ce côté là on a les humains. Les humains ne peuvent pas entrer dans la forêt, s'ils s'approchent des ronces ils se font tuer instantanément. Il y a déjà eu des tentatives pour essayer d'entrer dans la forêt mais ça n'a pas été possible. Mais pourquoi la forêt n'est plus accessible? Eh bien parce qu'il y a eu un massacre de la part des humains à un moment donné.
Et ce massacre, il a conduit au massacre du coup. Et ce massacre, en fait, il a conduit au meurtre de tous les nourrissons qui se trouvaient sur le territoire de la forêt enchantée, à cause d'une légende qui a été qui a apparu dans la salle du trône. Enfin, je sais pas encore exactement, mais il y a une légende qui est apparue et elle s'est diffusée. Et le roi a eu peur, le roi des humains a eu peur. Et en fait, cette légende disait que une sorcière allait naître tel jour dans la forêt enchantée et elle allait détruire le monde des humains. C'était ça la légende. Et le roi des hommes, bah, il a flippé et il a attaqué la forêt enchantée alors qu'il y avait, enfin, s'entendait globalement très, enfin, assez bien. Et du coup, la forêt s'est elle-même protégée, mais le bébé en fait a survécu et est parti. Et il s'est retrouvé dans le royaume des humains. Et cette personne-là a grandi et on a donc son point de vue. Elle s'appelle Hope, elle a une vingtaine d'années, je crois pas que j'ai mis d'âge précis, je sais juste que je voulais des personnages qui avaient la vingtaine. Bref, elle a un meilleur ami qui s'appelle Arthur, elle est très très proche de lui, ils s'entendent très bien. Elle est gentille, beaucoup trop même, et en fait c'est un lien par rapport à la forêt parce que... Enfin, la forêt, ils sont tous gentils, tout le monde est mignon, vous voyez, c'est un peu le monde des bisounours, tout se passe très très bien, enfin tout est gentil, mais elle a jamais côtoyé ce monde-là. Et elle s'est toujours sentie attirée par la forêt, elle a conscience de qui elle est parce qu'elle s'est déjà aperçue qu'elle avait un lien trop profond avec la forêt. Elle sait qu'elle peut pas s'éloigner des ronces, enfin elle peut pas s'éloigner, elle doit toujours être, tous les soirs elle s'approche, enfin pas au plus près, mais... Vous comprenez l'idée, elle essaye toujours d'être face à face avec la forêt pour, on va dire, lui parler. Elle se parle, la forêt lui communique des souvenirs, etc. dans sa tête. Un petit peu en mode télépathie, quoi. Et voilà. Et elle, oui, pardon, et pour libérer la forêt, j'ai pas dit la chose la plus importante pour libérer la forêt, en fait, il suffit de qu'elle tue, enfin, il suffit qu'elle, ouais. Elle doit tuer le prince des hommes. Et le hasard fait qu'elle va rencontrer ce prince, mais elle va se rendre compte qu'elle ne peut pas tuer. Enfin, elle ne se sent pas capable de tuer. Mais plus le temps passe, plus elle sent sa magie devenir plus forte qu'elle. Et est-ce que sa magie va le tuer? C'est ça la question. Donc voilà. Enfin, je suis très très contente de ce projet. Je pensais pas autant avancer. Donc comme je l'ai dit, j'ai fait environ 60 000 mots. Et c'était ouf. Je vais vous faire un... Honnêtement, j'ai pas préparé la vidéo, mais et donc je vais vous dire jour après jour, enfin les épreuves qu'il y avait et vous donner mon ressenti. Je vais essayer d'aller assez vite quand même parce que le but c'est pas non plus que la vidéo soit trop longue. Donc la première épreuve c'était le 18 septembre 2023, c'est faire une séance d'écriture dans un lieu public d'au moins une demi-heure. Il faut pas oublier d'immortaliser le moment en story pour compter les points. Si on validait, c'était 500 points. Si on validait pas, on en perdait 500. Et moi, j'ai été écrire déjà en salle de cours et ensuite, oui, en cours, c'est pas ouf, mais voilà. Et aussi, j'ai écrit à la BU, à la bibliothèque universitaire. Le deuxième jour, le défi c'était plonge dans ton livre, fais un outfit ou un make-up que ton personnage principal pourrait porter, ou alors une tenue ou maquillage inspiré de ton histoire. Moi j'ai essayé de, on va dire, reproduire Hope, et je vais vous mettre une image, de toute façon ça va arriver dans la vidéo. Et pourquoi cette photo là, enfin pourquoi cette tenue là, on voit pas mais j'étais un petit peu maquillée, enfin c'était très très... léger. Ensuite ma robe noire avec des fleurs parce que sa tante est fleuriste et elle a toujours vécu avec les fleurs, c'est vraiment, elle adore, c'est son dada, elle adore. Bref, et j'ai tenté de faire une tresse. Alors il faut savoir que pour ce défi j'ai défoncé mes cheveux, vraiment ça faisait très très longtemps que j'avais pas coiffé mes cheveux, enfin vous voyez là ils sont pas beaux, bref ils sont, on va dire, bouclés. Et moi, pour les coiffer, eh ben, j'attends qu'ils soient mouillés. Et là, je ne l'ai pas fait. Mes cheveux se sont transformés littéralement en paille. Et j'ai eu un... Mes cheveux, c'était que ça. D'accord? J'ai jamais eu... Enfin, ça faisait super longtemps qu'ils n'avaient jamais... Ils n'avaient pas été aussi gros. Du coup, ce défi, il était quand même pas mal. Aussi, ce que j'ai pas précisé, c'est que... chaque jour, on avait une limite de 4 heures pour écrire, pour pas qu'on écrive toute la journée, pour que
on préserve aussi la santé mentale de toutes les filles et je trouve que c'est super important. C'était bien parce que je me voyais pas du tout écrire toute la journée, enfin pour moi non, c'était pas possible. Écrire 4 heures c'était bien, j'écrivais souvent le soir, j'ai vraiment trouvé une routine le soir. Je savais que, je sais que c'est mieux quand j'écris le soir, que je suis beaucoup plus posée, je suis beaucoup plus créative et en fait ça a renforcé le fait, enfin je suis sûre que c'est ma routine. Troisième jour je crois, parce que j'ai un bug dans ma story à la une, j'ai zappé de mettre un truc, mais bon bref. Il fallait que je fasse une session d'écriture avec quelqu'un, en fait c'était les destins liés je crois, et j'étais liée avec une personne et nos mots étaient comptabilisés ensemble. Je sais pas du tout si c'était clair, mais je pense que c'est le cas. Et moi j'étais avec une autre chef d'équipe qui s'appelle donc Momo Lune, Morgane, et on a écrit ensemble. Je devais boire, enfin elle a bu de l'eau avec moi et... on a pris un carré de chocolat parce que ça c'est ma routine, si je bois de l'eau et je mange un carré de chocolat. Ensuite, notre épreuve c'était on va ramer, écrire une scène bonus de votre livre, cela peut être un prologue, un épilogue, un flashback, une scène depuis un autre point de vue, un crossover entre mon livre et un autre, une fanfiction avec un de mes personnages. J'ai écrit un flashback, je ne sais même plus ce que j'ai écrit comme flashback mais je sais que j'en ai écrit un. Ensuite, vendredi dernier, ah oui, horrible. Je crois que c'était le pire et le meilleur en même temps. C'était la marque. J'essaie de faire en mieux, d'accord. Mes oreilles ont saigné. C'est-à-dire qu'on avait une playlist à écouter pendant les 4 heures. On pouvait ne pas écrire pendant les 4 heures. Mais si on écrivait avec la playlist dans les oreilles pendant 4 heures, on avait un bonus de 2000 points. Donc, on l'a fait. C'était long. C'était très long. J'ai détesté et j'ai adoré en même temps. C'était... Je sais, non, au niveau des droits, j'ai pas trop envie de... Bon bref, je vais vous mettre la playlist dans les descriptions de la vidéo, vous verrez, vous écouterez. C'était hyper drôle. Pour se concentrer, c'était difficile, mais je crois que ce jour-là, oui, c'était le vendredi, et ben j'avais déjà dépassé le but de mon challenge, j'avais déjà dépassé les 14 000 mots, et je crois que j'avais déjà écrit beaucoup plus que les... session d'écriture précédente. Vraiment c'est le jour où j'ai plus écrit par rapport entre le lundi et le jeudi, je sais pas, ouais voilà. Donc c'était long mais c'était drôle et ce qui est encore plus drôle c'est que Alice, donc ma chef d'équipe, a réussi à discuter avec le groupe de Ultra Vomit, enfin le groupe qu'on avait dans les oreilles. C'était hilarant, vraiment c'était trop bien. Le paresseux, je suis fatiguée. Écrire de nuit, il fallait allumer ma lampe de chevet et me blottir dans un lit avec une bonne tisane ou me lever aux aurores pour bien commencer la journée. Donc seuls les mots écrits avant 7h du matin et après 21h seront comptés. Et je crois que j'écris entre minuit et 3h du matin et j'ai écrit après le soir, de 21h à minuit. J'étais crevée, j'en pouvais plus, j'étais fatiguée. Et je sais qu'il y a des filles qui sont réveillées super tôt le matin ou même qui ont peut-être une nuit blanche, je sais pas. C'est trop forte, enfin franchement, GG, hein, bravo. Le dimanche, c'était la journée illimitée. Tout le monde pouvait écrire plus de 4 heures, c'était vraiment donc illimité comme le nom l'indique. Le parcours du combattant, la journée compte double. Tout ce que tu écris est multiplié par 2 à la fin de la journée. C'est le moment de tout donner pour rapporter un maximum de points à ton équipe. Ensuite, lundi, c'était boire la boisson préférée de ma chef d'équipe, donc... la boisson préférée de Alice et c'était un chocolat chaud. J'étais trop contente parce que dans les autres équipes c'était un matcha et je déteste ça. Du coup il fallait faire sa méthode à elle, donc du lait et un morceau de chocolat Nestlé, enfin oui voilà, et à faire tremper dans le lait, étouiller et boire du coup, et c'était trop bon. Je m'en suis fait plusieurs du coup après les jours suivants parce que c'était une bonne technique. C'était très bon. Ah oui c'est vrai, entre deux on n'avait pas connaissance des résultats des autres équipes. On avait des jours précis où il y avait ce qu'on appelle des conseils et ces conseils, je crois qu'il y en a eu 4 en tout et on apprenait les scores des autres, mais sinon en temps réel on n'en avait pas. Et donc le 25-09, eh bien on savait que c'était les machines à écrire qui étaient devant, donc l'équipe d'Estelle. Nous on était deuxième, on voulait être soit première soit deuxième, donc on était contente. On était à 1 151 718 mots. On avait les sculpteurs de mots qui étaient derrière l'équipe de Momo Lune avec pratiquement 1 million, enfin 940 000 mots. Et les tueurs en série avec 752 000 mots,
environ, hein. Il y en a un peu plus à chaque fois, mais voilà. Ensuite, on a notre épreuve qui s'appelait les sacs. Il fallait bêta-lire un extrait d'une personne de mon équipe et ça pouvait être sur un projet ancien ou actuel. Alors personnellement, j'ai pas osé donner mon texte parce que je sais que, enfin, j'ai pas encore assez confiance en moi pour le faire. J'ai confiance qu'en ma meilleure amie. J'ai passé mon texte, elle me donnera son avis quand elle aura le temps, quand elle pourra. Mais c'est vrai que pour moi, c'est très difficile de partager ce que je fais parce que si je relis, je me dis bah en fait c'est nul. Et c'est vrai que c'est assez difficile d'entendre de la critique. Waouh, je sais même plus parler. C'est assez compliqué d'entendre de la critique, même si c'est très bienveillant. Je suis pas sûre que... Enfin, j'étais vraiment pas pour en avoir, surtout que la veille, je dois avouer qu'avec le conseil qu'on a eu, on avait eu un appel avec Alice pour parler justement des scores et du fait de est-ce que ça allait ou pas. Et moi, je me suis aperçue pendant cet appel, en fait, que je me surmenais. Et ça me... Enfin, après, j'ai entendu quelqu'un pleurer, on va dire. Oui, et ça m'a mené à faire une petite crise d'angoisse après. Mais c'est parce qu'il n'y avait pas que le challenge, en fait, c'était vraiment un tout. Et j'allais vraiment pas bien à ce moment-là. Et j'avais besoin un peu de déconnecter. C'est pour ça que vraiment, fin de semaine, j'ai pas écrit énormément, j'arrivais plus. Et j'ai eu peur en plus, parce que du coup, je m'en voulais un peu de descendre au niveau des scores. Mais heureusement que j'avais cette équipe, parce que tout le monde se motivait, tout le monde se boostait. On essayait de trouver des solutions, enfin franchement... Cœur sur vous les serpents. Le lendemain, il fallait écrire un synopsis, visiblement. Le jeudi, écrire sur notre projet et j'ai écrit sur un contemporain. Et j'ai pas beaucoup écrit, je crois. Ouais, parce que j'ai pas trop d'idées. J'ai écrit des scènes un petit peu comme ça et j'avais pas trop envie. Enfin, vraiment, ça allait pas trop. On a eu un autre conseil. On a vu qu'on était à 200 000 points des machines. 4, 5, 6, 7, 300 000 points, pardon, des machines. Donc, vous savez, globalement, que enfin, on n'allait pas les rattraper, mais on était quand même deuxième et on se disait il faut rester deuxième parce qu'il y avait les sculpteurs de mots qui revenaient avec 1 200 000 points. Nous, on était à 1 400 000. Ensuite, il fallait changer de plateforme. Donc, moi j'écris vraiment sur Google Doc et je suis passée sur Word. Ensuite, on a eu la course d'orientation et c'était le samedi. On avait une heure, enfin, on avait un créneau chacune d'une heure dans notre équipe et on devait. Cumulé, je crois, 20 heures d'écriture et il fallait écrire que pendant cette heure-là, écrire un maximum possible. J'ai écrit entre 1h et 2h du matin et j'étais claquée, j'étais crevée, j'avais juste envie de dormir le soir. J'avais une journée super vraiment chargée. C'était la première fois que je faisais du 8h30-17h30, je crois, depuis la rentrée. Et au soir, j'ai dû enchaîner avec l'ouverture d'un salon du livre, le salon du livre d'en haut qui avait lieu à Lille. Et donc je devais les servir, les boissons aux auteurs et tout, et c'était le rush. Heureusement ça a terminé, je suis rentrée vers 23h je crois, et j'étais éclatée, mais il fallait que je reste debout pour écrire entre 1h et 2h. Vraiment, ça prouve à quel point j'aime mon équipe. Après je me suis proposée à ces heures-là, hein. C'est pas que... On m'a pas du tout imposé, on avait le droit de choisir. Enfin, je savais que j'allais retourner chez mon père, je savais pas si j'allais pouvoir être libre et je voulais pas gâcher les preuves de tout le monde parce que je savais pas quand j'allais pouvoir écrire. Enfin voilà, j'ai préféré taper sur un truc où j'étais vraiment sûre d'être là. Et ensuite le dimanche, donc le dernier jour, c'était écrire le double de ma moyenne. Et j'ai réussi. Ce jour-là, j'ai écrit le plus sur l'ensemble du challenge. Ma moyenne c'était 3500 mots je crois. Et j'ai écrit 11 000 mots. 11 000 en une journée. Et je suis trop contente, enfin ça s'est trop bien passé. Je vais vous mettre à la fin aussi les résultats. On a été deuxième et je suis très contente de ce résultat. Je pouvais pas, enfin je m'en fiche, en soi j'en fichais un peu d'être première. C'était pas non plus mon objectif, notre objectif je crois que notre objectif final, notre objectif global à toutes les filles de l'équipe, c'était d'avancer sur nos projets. Et personnellement, moi, ça m'a grandement aidée. J'aurais jamais pensé avant écrire autant. Et hier soir, parce que du coup c'était le dernier jour et on n'est plus obligé d'écrire, j'ai hésité à écrire. Je commençais tôt ce matin donc je l'ai pas fait, mais ça m'a permis de renouer avec l'écriture.
Et ça m'a montré à quel point ça m'avait manqué aussi. Et je suis trop contente. Enfin, je ne peux que féliciter déjà toutes les filles pour l'organisation. Il y a une... Ah, je ne sais plus son prénom. Je sais qu'il y a quelqu'un qui s'est occupé d'un Excel, de l'Excel. Parce que oui, soulevons ce point. Un Excel a été créé pour ce challenge et il est incroyablement bien fait. Tout est organisé et ça fait du bien de voir quelque chose d'organisé. Il y a un... Enfin, tout était bien. Enfin, franchement, j'ai pas de critique à faire parce que tout le monde s'écoutait, soutien à balle. Enfin, en tout cas, là où j'étais, ça s'est vraiment merveilleusement bien passé. J'ai rencontré des personnes super gentilles. Je suis très très contente de ce challenge. Je suis très très contente de ce que j'ai écrit. Et c'est le principal parce que je me voyais pas écrire juste pour écrire. Le but c'était d'écrire pour avancer et être fière de moi. Et c'est le cas. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu et à mettre un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. J'ai oublié la fin de mon outro. Il y a le lien pour aller lire Tell Me Why, je crois, normalement. Et on se retrouve... Et mon Instagram, waouh, j'en perds mes mots. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut, salut !